Salut les viewers, c'est Marcus Bonus qui passe le permis. Non, je rigole. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda, chers amis. Ah, je me trompe toujours de bouton. Ok, ça passe pas. On y va comme ça. Là, ça passe bizarrement. Hop, ok, on est passé. On enlève les pneus et on accélère. Voilà. Nous sommes toujours à Mass Effect Andromeda pour faire de la... Premier avant-poste, ça doit vous faire quelque chose. Ok, conversation. Ok, nous, nous allons tenter de nous diriger à peu près ici, chers amis. Donc on va rester sur le plateau haut. C'est bon signe pour les habitants. Ouais, pas que pour les habitants aussi, hein, pense-y, hein. Oh, j'ai pas le droit d'aller plus loin par là. Ok. Ok, ok, pourquoi pas. Continuons dans ce sens alors. Hein. Ça m'intrigue. Où est-ce que je suis censé la mettre? Elle est encore loin. Elle est encore loin. Est-ce que j'ai le droit d'y aller? Parce que j'ai l'impression d'être à la limite déjà ici là. La remarque, j'ai l'impression qu'elle a disparu cette fameuse limite. Ah bon, ça m'aidera pas à monter plus haut. Monter plus haut. Monter plus haut. Je suis niqué, je peux pas grimper. Pour aller plus haut. Bref, on arrête. Non, non, ça veut pas. Et quand ça veut pas. Allez. Tu vas pas dans la bonne direction là. Désolé d'avoir à te le dire, Speeder. Oh là 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 là, les textures. Les textures. Je triple A. Ça vibre. C'est pas de la... D'accord. Y'a pas justement une... Oh là là, ça va... Le jeu va pas bien. Le jeu est malade. Pauvre jeu. Des choses qu'il ne veut pas faire. Des choses qu'il refuse. C'est pas dans cette région là qu'on est tombé sur tout un tas de saloperies. Ah non, c'est là où il y a la deuxième bah. Apparemment je peux continuer à monter à droite. Ouais. Ouais, allez, on y va. Soyons fous. Allume les phares. Allume les phares. Voilà. Crac. Quoi ? Du matériel pris aux avant-postes. Et un module d'évacuation d'arche. Ah ! Et où ils ont trouvé ça ? Merde. Vous pensez qu'ils ont trouvé une arche ? On doit scanner ça de plus près. Oh, on y va. Bourron, bourron, chers amis. Ok. C'est particulier. Ok. Ah, il y a une petite portée, hein. Ouh, ça fait mal. Y'a plus d'ennemis déjà? Ça explose ça? Non. C'est cadmium, d'accord, ok. Ah non, bah monte ta tête maintenant. Allez. Pas l'impression de l'avoir touché. Ok. Merci. Je suppose. Ramasser le cadmium. Il est encore ici.
Hop, on est bon. Il y a encore des ennemis, semble-t-il, au loin. Waouh, je suis immobilisé. Qu'est-ce qui m'arrive? Un ennemi, ça, ou c'est... Bon. Ok. Ça, c'est à moi. Là-bas, putain, on y voit que dalle, hein, je veux pas dire, mais... Ah, apparemment, Ghost Recon est en train de faire un téléchargement. Allez savoir. Ok, yo les filles. Tu vas bien m'ouvrir ça. Un Zalkin 3. Comparé, il fait moins de dégâts, mais il a une plus grande cadence de tir. Si tu veux, je le prends. Voilà. Voilà. Terminal. Vous êtes terminé. Je suis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'assistance. Il a pris conscience d'où il se trouve. Débarrassez-vous-en. C'est le chef des Kertes sur cette planète. C'est à lui qu'ils obéissent. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Et je ne le saurai potentiellement jamais. D'accord. On récupère moult cadmium. Hein. Les trous. Ça va pas, il y a des trous dans toutes les textures quoi. Ou alors c'est une lumière. Vous allez pas me dire que c'est une lumière qui est intentionnelle, chers amis, quand même. Je veux pas dire, mais. Regardez, là je veux bien. Et... Parce que là c'est bleu, on voit bien que c'est bleu, mais tout à l'heure c'était blanc. SOS. Et tu le vois où, ton ennemi? Attention, ça ressemble à une structure Kert. Protection activée. Je crois qu'il y a une de se tirer dessus. Tirez-vous dessus autant que vous voulez. Ils l'ont trouvé en train de dériver, ils l'ont ramené ici. Extrapolation. Armure de fusion, Kert. Ok. Je pourrais l'équiper aussi sec. Mais non. Mais l'arche pourrait toujours être intacte, comme l'Hyperion. Espérons-le. D'accord, donc il est bugué dedans en fait, l'ennemi. C'est la fête. Crac. J'ai même pas regardé si ça coûtait cher ou pas. Décomposé. Mais non, t'as que dalle. Voilà. Ok, et je suis... dans ton... Ok. Je monte. Vous êtes bien loin du troupeau, petite brebis. Petite brebis? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a du travail pour vous. Rendez-vous à mes coordonnées si vous pensez être à la hauteur. Mieux vaut ne pas le faire attendre, petite brebis. Arrêtez ça tout de suite. Ouais. C'est bizarre qu'on me parle comme ça. Je pourrais mal le prendre. Parce que c'est plat. Au bout d'un moment, on sait plus quoi inventer. Ok, le tabulaire parce que c'est plat, merci pour cette explication. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Voilà, ça c'est fait. Et les c'est bien fait. Ont été ajoutés à votre système de navigation, pionnier. Bon, ça clairement, ça pue un peu plus du cul, et sa distance avec le reste m'emmerde un peu plus. Mais bon, qu'est-ce que j'y peux? Trouver tous les drones. Bah, apparemment, je suis passé à côté d'un drone. Ok. Point d'intérêt. Mais ça doit être la grotte. Zone minière, je vais y aller.
Parce qu'on en a besoin, hein, finalement. Mais j'ai peur qu'elle soit un peu plus basse que prévu, cette zone minière. Non, ça va. Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. J'arrive pas à trouver autre chose que du fer, en fait. Bon bah écoute, on y va, hein. Alors. Je vois une base Kert. En tout cas, un centre de minage. D'extraction de ressources. Mais je ne vois pas le moindre ennemi. Pourquoi pas? Système de secours. D'accord, je vais tout prendre. Hein. Merci. Est-ce que ça satanise ça ou pas? Non. Cadmium en plus, hein. Le cadmium j'en trouve à foison, hein, mais. Crac. Et il n'y a pas un seul ennemi pour. Oh là là, on voit des trucs qui dépassent la zone. Enfin, qui dépassent du sol, quoi. C'est pas grave. Ouais, je suis un peu dégoûté là, tu fais qu'il n'y ait pas trop d'ennemis, si je puis dire. Hop. On remonte. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait dans cette région. Cache trouvée. Donc ça s'appelle cache trouvée, mais je comprends pas. Le principe d'une cache quand elle est affichée trouvée, c'est qu'elle est vide. Donc pourquoi me l'afficher alors qu'elle est trouvée, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, donc les caches trouvées ne sont pas trouvées. Merci de me prévenir la prochaine fois. La vue qu'on a attendue pendant des mois après notre arrivée. Ok. Armure de dissident embusqué 3. Si tu veux, bah écoute, vas-y, on prend tout. D'accord, donc fallait que je fasse. Donc là, j'imagine qu'elle a disparu maintenant. Et voilà, donc ce sont des choses stupides. Mais ce n'est pas grave. Ok, on a quoi ici? Donc on va aller là. Chercher la nouvelle cage, du coup. Bientôt. Ce sont des villes qu'on va construire. On voit tout Prodromos d'ici. C'est dire à quel point c'est petit. Ok, bref, on va arrêter de dire de la merde de Prodromos. Ils font ce qu'ils peuvent, hein, ils sont pas malins. Crac. Et on est bon. Oh là 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 là, c'est génial, elle est intimidée, il voudrait bien l'embrasser. C'était une référence à la petite sirène. Parce que j'ai failli plonger. Et aussi à cause du nombre incroyable de oh là là que j'ai pu dire. Ok, bon, conteneur, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le Venom 3. C'est quoi comme type d'armement? Ça ressemble à, je crois que c'est un fusil à pompe, c'est ça? Et le N7 Eagle. Ok, bah je prends tout. Je prends absolument tout. Ok. Crac. C'est bon. Ok, bon, il est temps que ça bastonne. Ça commence à m'emmerder cette histoire, donc j'espère qu'il va y avoir des gens sur le premier marteau sismique. Normalement, il va y avoir des reliquats. Ok, remarquez que la map n'affiche plus rien. En haut. C'est génial. Tu veux bien? Voilà, merci. C'est pas du tout dangereux comme endroit, finalement.
tout va bien. Oh, vous savez quoi? Fuck it. Fuck it. Voilà. T'avais qu'à te barrer quand tu le pouvais. Voilà. Ça t'apprendra. Yo les filles, vous êtes où? Bon, il est où mon shotgun? Fusil de combat, voilà. Bah merde. Yo! Boum! Voilà! Problème résolu! Donc je vais péter une infrastructure reliquate, c'est ça? Bon, je déclenche le premier marteau. Wow! Accrochez-vous! Et il est déjà cassé. Oh merde! Quoi? Hop. Aïe. Oh le sac. Merci. Ça force à rester sur ses gardes. Ouais, je confirme. Grosse secousse pour une poignée de reliquats. Allons placer le marteau suivant. Ok, la suite. Ça se passe plutôt bien. Moi qui voulais que ça se tape, ben voilà, ça tape. Ok, là il y a un truc, ça c'est quoi? Inspecter les sites de ravitaillement. Ça, ça m'intéresse aussi. Par contre, le problème c'est que je ne sais pas du tout sur quel endroit je l'ai mis. Je partirai. Ah, c'est le bon. Ok. C'est grand. C'est grand. Et est-ce que c'est vraiment... Des bestioles sont venues servir dans nos caisses de matériel. D'accord. Bon, marchera pas. Il n'y a qu'une seule chose qui marche. Avec les bestioles. C'est la violence. Ça nous rendra pas notre matériel, cela dit. Dommage. Sam, t'es sûr de ce que tu dis? Oui, pionnier. L'ouverture de ces caisses s'est faite selon la procédure habituelle. Il est peu probable que la foule locale en soit l'auteur. Certes. Ce sont des insectes, Sam. Ça peut pas être eux. Il nous faut davantage de données pour confirmer. Certes, certes, certes. Il a raison sur ce coup-là. Il a entièrement raison. Cache ici avec... Ah, il y a trop de choses à cet endroit-là pour que je puisse passer à côté. Vraiment comme une machine des fois, ça. Ok, allons voir. Yo les filles. D'accord, donc faut que je trouve encore une fois tout ce qui pourrait ressembler. Crac. D'accord, ils ont largué des choses là-bas. On est d'accord, ça c'est normalement une saloperie reliquate. Non? Je croyais. Oh bah apparemment il y a rien dessus hein. Étrange. Conteneur. Tout prendre. Polymère, nanana, nanana, mais du dégâts technologiques, nanana, pas d'armes. Ok. Pourquoi pas. Bon, bah je suis un peu déçu, je le reconnais. Ok. Il y avait une mission ici. C'est son recherche. Ah ouais, c'est encore la même mission que tout à l'heure. Ça, j'aurais peut-être pu le faire ici aussi, d'accord. Là, ça aurait peut-être intéressant, mais ça va être un petit peu trop gros pour le moment, je pense. On peut aller chercher le point de largage ici. Même si j'ai l'impression de ne pas faire des choses intéressantes finalement vis-à-vis de l'histoire et ça m'emmerde.
Peut-être que je vais rusher l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je rush l'histoire. Et si jamais j'atteins un nombre de vues qui me semble-t-il n'est pas suffisant vis-à-vis du reste des séries. Dans ce cas, je... Ah bah parfait ça, voilà. Je raviserai la situation et je passerai à une autre série, c'est pas grave. Au moins vous aurez eu un bon aperçu de ce que c'est que cette histoire et de comment elle est. De toute façon, je pense à ça. Si je n'arrive pas à vous donner envie de regarder toutes les séries qui sont sur la chaîne, je vous fais plutôt une review au bout de quelques épisodes. Et puis tant pis, on passe à autre chose. Mais bon, c'est un peu dommage. C'est un poil dommage. On devrait jeter un œil à ces machines Kert. J'ai autre chose à faire, malheureusement. Wow, c'est quoi ça? Ça résonne maintenant. Sûrement avec le caveau. Hop. Alors, où est-ce qu'elle est censée être? Ok. Le plateau des Dancy. Tous ces fragments, on se croirait dans la gueule d'un dragon. Je me demande ce que formaient tous ces morceaux de technologie reliquade. Et moi, je me demande ce qui les a mis en morceaux. C'est pas mal non plus, comme... Protocole automatisé activé. Juste à côté ici? De la station avancée. Ok. Pas de soucis. Ah, j'aurais tellement aimé pouvoir me mettre en dessous pour voir si je crève. Comme un con. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation, pionnier. Et y a quelque chose à faire ici ou... Bien ou bien ici y a quoi? Deuxième marteau. Ouais, je fais le deuxième marteau alors. Crac. Ok. Hop. Possible d'extraire des ressources dans cette zone. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Bon, vas-y pour le faire, c'est pas grave. C'est là ou c'est pas là? C'était pas là, apparemment. Erreur. Qu'est-ce que c'est? On a de la compagnie, et ils n'ont pas l'air de plaisanter. Ah bon? Merde alors, c'est bête ça. Enquêter sur les inconnus du site. Mais c'est pas ça que j'ai... Bon, c'est bizarre. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Inutile de vous demander si vous êtes amis ou ennemis. Je ah bon? Pas qu'il y avait quelqu'un du Nexus dans le coin. On vient de la nation souveraine d'Avent. À quelques centaines de clics dans cette direction. Notre nation hors de toute ingérence du Nexus. D'accord. On n'a pas rejoint Andromède pour soutenir le régime de Tan. Avent ne compte que des citoyens libres. D'accord, je viens en paix. J'ai rien contre vous ni contre Avent. Je suis là en mission. Et moi, je n'ai rien contre les pionniers. On a un travail en commun. Le niveau de notre nappe phréatique a baissé, comme si les rivières souterraines s'étaient asséchées. Le problème semble venir d'ici. L'activité sismique est importante par ici. On s'en sert avec un marteau de prospection pour exploiter les rivières. Eh merde! Avent a besoin de cette source d'eau pour rester indépendante. Est-ce que... un arrangement serait possible? On a détecté un énorme gisement de gaz naturel par ici. Vous jouez du marteau, on l'extrait et on le vend à votre avant-poste. Tout le monde y gagne. Ça paraît juste. Sauf l'environnement. Notre avant-poste peut s'en sortir avec l'eau qu'on a déjà. Bon, c'est d'accord. Parfait. Je peux vous indiquer où frapper et faire venir nos mineurs. La nation d'Avent vous remercie. Je t'en prie. Au revoir. J'y vais. Bonne chance à vous. A plus. De l'eau, du gaz.
Moi, ce sera le gaz. Ah, merde, c'est vrai, d'accord, ok. Je viens de comprendre comment ça se passe, c'est bon. Merci. D'accord, d'un côté t'as de l'eau, d'un côté t'as du gaz. Je viens de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce saloperie? Des bestioles reliquates. Intéressant. Elles sont agressives? Aïe! Mais merde! On les a tous eus. Pourquoi elles sont affichées bleues? L'erreur d'Avent nous a indiqué. Du gaz naturel juste sous nos pieds. Parfait, c'est parti! Vraiment faire ça? Sur notre première planète? On pourrait aussi aller sur l'autre site pour approvisionner Prodromos en eau. Il faut faire un choix. Je comprends pas le principe de notre propre planète. Qu'est-ce qui m'attaque? Ah oui! Excusez-moi, je vous avais oublié les mecs. Ok. Ok. Ne pas des marteaux ni des reliquats. Qu'est-ce qui se passe? Pionnier, le gisement de gaz est découvert, mais pas complètement. Indique-moi un autre emplacement pour le marteau, Sam. Un dernier coup devrait suffire. D'accord, intéressant. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Hop. Ok. J'ai un peu bourré mon chemin, je reconnais. Non, ça veut pas là. Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire. Je l'ai déjà fait, non? Via votre interface minière. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux la physiologie de la zone, on va dire. Hop, vas-y, fais péter. Dernier marteau. Avec ça, ça devrait être bon. Tout le monde est prêt? L'architecte reliquat. D'accord, donc c'est une bestiole qui faisait toute cette merde. Ok. Ça, c'est un truc qui va... C'est plus gros que le tempête... Non. Non, c'est pas plus gros que... Oh putain! C'est bien plus gros que le tempête! Qu'est-ce que c'est que ça? Donc apparemment, quand on lui tire dans la bouche, il aime pas. Quoi? Je ne sais pas si je lui fais le moindre dégât. Ok. Ok, mort. Il est... Détruire les conduits. Détruire les conduits de la tête. Visez sa tête. Ok, merci, t'as l'air d'être déjà complètement au courant.
Ok. Ok. C'est intéressant. Il s'est fait des copains. Ok. Donc changement de phase. Ok. Allez, frappe! Mais non, c'est parce que... Qu'est-ce que tu me chies? Là, dans ses pattes. Ouais, je m'en occupe. Ah la vache! Ah oui, c'est vrai, je me fais paraise en plus ici. Reprendre, merde, je me fais paraise dans ce jeu. Je suis con. Je pars comme si je me faisais raise. Ouais, c'est compliqué. J'ai lu votre dossier. Oh. Ah oui. Et qu'est-ce que ça dit? C'est confidentiel. Tiens donc, ne commencez pas quelque chose que vous ne pouvez pas finir, Harper. Bien dit. Alors écoutez, je ne commence rien du tout. Je suis dans l'armée, pas vous. Mais on est là tous ensemble. La seule chose qui compte, elle a raison, c'est de sortir. Si vous avez les compétences pour nous aider à faire ça, et vous semblez les avoir, dans ce cas, tout va bien. Faut que je regarde si j'ai pas des armes un peu plus grosses que ça. 95, ça. 93, 131, 135, 82. Fusil de combat, ça va pas m'être utile. Fusil de précision. La veuve. Ah bah tiens, on va partir là-dessus. Tout va bien. Et on y va. On y retourne, les filles. Tous ensemble, on pousse. On pousse. Ok. Wouh. Dernier marteau. Avec ça, ça devrait être bon. Tout le monde est prêt? Non, moi je suis pas prêt. Allez, on passe et on y va. Et merde! Crac, et ça c'est un. Ok. Tes pattes sont vulnérables! Déjà? Attendez. Hop. Je sais pas si je lui ai fait quoi que ce soit. Et je sais même pas si mon arme est efficace. Wouh! Bonjour! Ah la vache! Il fait atrocement mal. Vache. Fait atrocement mal. Si vous saviez, chers amis. Si vous saviez. J'aimerais ne pas avoir été de consommable. J'aimerais apprendre à jouer sans consommable. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Là, dans ses pattes.
Ouais, bah deux secondes. La vraie question, c'est de savoir si... Oui, je les touche. Là, j'ai vu des choses là-bas. T'es sérieux là ? Vite avant qu'il s'échappe. Quoi ? Est-ce que ça peut s'échapper cette chose ? Putain, suivre, je suis con. Wow, je suis pas du tout au bon endroit. Je recharge. Dans la tête, la cible parfaite. Allez. Voilà. Rechargez. Les pattes. Vas-y, refais le meuleux, la patte, le coup de la patte là. En fait, je crois qu'il a une patte, une seule patte qui s'ouvre, chers amis. Et que j'ai attaqué la mauvaise. Ok, il fabrique des renforts, on y va. Ils sont plus solides ou c'est moi ? Ok, dans ses pattes. On y arrive, chers amis. C'est bon, deuxième. Le nomade. Hop. Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Jusque là ça va. D'ici là qu'il s'échappe. D'ici là que je le perde de vue le bestio. Par contre c'est vrai qu'il se déplace un peu lentement quoi. T'as quand même pas revenir à ta place. Wow. Ça c'était agressif comme T'es sérieux? T'arrêtes là? Si tu veux. En fait non, ça m'intéresse pas que tu t'arrêtes là. Ces pattes sont vulnérables. Entendu. Laquelle qui lui reste? Hein? Merde! Aïe! 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 Je sais pas ce que c'est, mais ça fait atrocement mal! Ouais, alors là... Là, chers amis... Si je le reprends au départ, je dis non. Je le reprends au départ. Bah je dis non, chers amis, parce que le coup du « je vais te faire une attaque, tu seras obligé de rester dedans et te fais masse dégâts et tu crèves ». Je trouve ça un peu naze. Honnêtement, je trouve ça un peu naze. Donc je vais me TP, je vais me déplacer là-haut et je vais vous laisser là pour cet épisode parce que là je rage un petit peu. Là, là je suis un peu deg. D'une parce que on nous indique pas quelle patte il tourne en rond et il se met dans un endroit où la patte elle est pas indiquée. Et non là je trouve ça un peu dégueulasse. Un poil dégueulasse. Enfin bon, c'est comme ça. Donc salut les gens.